alors l'originalité en fait de notre approche ISR à la financière de l'échiquier, c'est que sur l'ISR aussi, nous allons à la rencontre des entreprises pour discuter avec elles de leur politique sociale, environnementale et de leur gouvernance. Et cela nous permet de mieux en apprécier les qualités et aussi de mieux appréhender les risques que l'on peut avoir dans les sociétés dans lesquelles nous investissons. Une deuxième originalité de l'approche de la financière de l'échiquier en matière d'ISR est la façon dont nous notons les entreprises, dont nous apprécions leur performance extra-financière. Et notre particularité justement par rapport aux agences de notation extra-financière traditionnelles, eh bien, c'est de surpondérer la gouvernance. Pourquoi ? Eh bien, parce que aussi sur l'ISR, nous sommes persuadés de l'importance de la qualité du management. Et c'est quelque chose qui a fait l'ADN de la financière de l'échiquier depuis 25 ans maintenant, d'investir dans des managers de qualité. Et c'est un sujet aussi que l'ISR s'est réapproprié. Et cela se retranscrit par le fait que notre notation surpondère de façon très significative la gouvernance des entreprises. Alors l'équipe ISR est complètement intégrée à l'équipe de gestion. Aujourd'hui, nous réalisons en binôme avec les gérants les entretiens ISR qui débouchent sur cette notation dont je viens de parler, que nous réalisons aussi en binôme avec les gérants. En plus de cela, qui nous permet évidemment de pouvoir investir sur les sociétés qui obtiennent des bons scores, ça c'est en ce qui concerne les fonds ISR de la gamme, au premier rang desquels Échiquier Major. Et en parallèle de ce travail, nous sommes aussi disponibles pour l'équipe de gestion au quotidien pour répondre à leurs questions de gouvernance sur les sociétés sur lesquelles ils sont investis ou sur lesquelles ils souhaitent investir. Et nous sommes aussi là pour les aider à mieux appréhender les schémas de rémunération des dirigeants, par exemple, ou pour toute autre question relative à la politique ESG de l'entreprise, et de façon aussi plus générale pour les assister dans l'exercice du vote en Assemblée Générale.